Cette semaine, j'ai choisi un extrait de la lettre aux Éphésiens pour deux raisons. D'abord, selon les experts, Paul n'est pas l'auteur de ce texte. C'est toujours un plus pour moi. Non, cette épître aurait été composée environ 20 ans après sa mort. La raison la plus importante, c'est que j'apprécie ce passage parce qu'il aborde un sujet toujours d'actualité. À cette époque, Éphèse, située aujourd'hui sur la côte ouest de la Turquie, était l'équivalent d'une grande capitale régionale de l'Empire romain. La population de cette ville était composée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants issus d'un peu partout de la région de la Méditerranée. Et cet endroit était un genre de melting pot de plein de cultures et d'influences, un peu comme nos villes modernes d'Occident. Cette diversité a contribué à la diffusion du message de Jésus et très rapidement une communauté de foi et de composés de croyants et de croyantes s'est organisée. Cependant, les Éphésiens n'ont pas échappé au défi de maintenir une cohésion au sein de leur groupe. Toute la diversité de talents, d'opinions et d'idées créait des frictions. L'auteur ou l'autrice de la lettre aux Éphésiens offre à cette communauté un conseil qui passe souvent inaperçu à la première ou même la deuxième lecture de ce texte. Accordez votre vie l'appel que vous avez reçu accorder votre vie à l'appel que vous avez reçu partout dans la bible nous trouvons des personnes qui ont reçu et accepté l'appel du seigneur et encore aujourd'hui être appelé désolé demeure un élément central de la foi chrétienne par exemple depuis le début de mes études au collège théologique j'ai dû écrire Beaucoup de textes expliquant mon appel au ministère ordonné. Lorsqu'une paroisse de l'Église unie du Canada désire embaucher un ou une pasteur, la paroisse lance un processus d'appel. Dans la foi protestante, nous croyons que tous et toutes sont appelés par Dieu à une série de ministères qui sont tout aussi importants les uns les autres. Et si certains ont des dons pour parler en public, ben d'autres sont équipés pour enseigner aux jeunes, euh, offrir des soins pastoraux aux personnes qui souffrent, euh, préparer des activités derrière la scène, gérer les avoirs du groupe ou toute autre tâche essentielle qui passe trop souvent inaperçue. Et même si cette idée D'appel et parfois galvaudé par certains de nos jours, comme Oh Dieu m'a appelé à vivre dans une villa de plusieurs millions de dollars et à me déplacer en jet privé à travers le monde. Je crois que cette idée d'appel demeure toujours pertinent pour nous parce qu'il fait référence, cette idée fait référence à quelque chose qui n'est pas toujours facile à expliquer, qui n'est pas toujours facile à justifier logiquement et surtout pas toujours facile à accomplir. Pour être honnête, toujours plus facile pour une personne de penser et travailler exclusivement pour son propre intérêt, toujours plus facile de dresser des longues listes d'ennemis qui nous ont blessés ou trahis par le passé, toujours plus facile d'affirmer que mes opinions et mes manières de faire sont la seule bonne solution. Cependant, cet appel qui a été logé en nous par Dieu nous conduit souvent à nous soucier du bien-être d'étrangers qui habitent soit dans notre municipalité ou à l'autre bout de la planète. Cet irrésistible désir d'accorder nos vies l'appel que nous avons reçu nous pousse à des actes de réconciliation entre ce qui a été divisé afin de ramener un peu d'espoir où il n'y en existe plus cette invitation nous aide à découvrir chez les autres des dons et des talents pour nous faire grandir ensemble et faire grandir le corps du christ et malgré les nombreux défis devant nous Malgré l'apparente contradiction parfois entre la foi et les réalités du monde moderne, et malgré le fait que nos valeurs peuvent parfois tomber sur les nerfs des autres, cette idée de vivre une vie en accord avec nos, notre appel devrait être une source de joie, un idéal qui nourrit nos vies. Cette invitation ne devrait jamais être une punition ou une discipline ardue ou, ou une potion pour soi notre spiritualité morale. L'épître aux Éphésiens ne nous, nous demande pas de performer en société afin de convertir les gens à notre cause. Là. Non, non. Le but est simplement de mettre en pratique dans notre vie quotidienne ce qui semble juste. Est bon. Nous sommes invités à utiliser notre imagination pour trouver des moyens pour que les gens de partout autour du monde puissent avoir suffisamment à manger. Nous sommes appelés à utiliser nos ressources pour solutionner les nombreux conflits qui nous divisent. Nous pouvons utiliser notre parole pour dénoncer les injustices qui nous éloignent du rêve de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Et dans cette optique, la diversité de l'Église de Dieu sur Terre n'est pas une malédiction à gérer, mais une forme de bénédiction. La multiplication des talents, des dons et des ressources nous permet d'accomplir davantage, et si suffisamment d'entre nous osent répondre tout simplement à notre manière à cet appel de Dieu et s'unissent autour d'objectifs Assez simple lorsqu'on prend le temps d'y penser, nous pouvons faire une différence dans notre monde. Nous sommes tous et toutes appelés à accorder notre vie avec l'appel que nous avons reçu de Dieu. Et dans la lettre aux Éphésiens, nous sommes invités à utiliser tous nos dons et tous nos talents qui sont différents les uns des autres afin de travailler ensemble pour un objectif commun. Et c'est ensemble justement que nous pouvons créer une série de changements pour le bénéfice de tous et de toutes, pour la, la création du royaume de Dieu. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter, peu importe la plateforme, aimez, partagez, commentez. Prenez soin de vous, à très bientôt et bye bye.